Et salut tout le monde, voilà, on est dimanche, il est quelle heure là? Il est 4h22, on est en train de se préparer petit à petit, puis on va aller chez mes beaux-parents pour faire les courses demain. Moi je suis en train de regarder des vidéos de Japon 365, je suis en train de préparer quelques affaires, hein, des papiers, trier un petit peu. Vous voyez ma tour qui est ouverte derrière. J'attends Doudou et puis on va partir, on va d'abord passer à la boucherie pour acheter des trucs pour mes beaux-parents. Puis on va prendre la route, voilà, donc bah, sur ce moi je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Alors on est lundi et je me suis préparée, voilà. Je me suis pas beaucoup maquillée aujourd'hui, j'ai mis que du mascara et un petit peu de noir parce que j'ai des problèmes beaucoup de peau ces derniers temps. Donc voilà quoi, j'essaye de mettre le moins de fond de teint possible. Et donc je disais que à cause de ma thyroïde pour le moment j'ai pas mal de galères avec ma peau, donc j'évite de mettre un peu trop de fond de teint. Sinon on voit trop mes peaux sèches quoi. Voilà, donc je me suis pas beaucoup maquillée aujourd'hui et... c'est pas ça? Donc voilà, je me suis... Oh, y a pas de souci. Donc j'ai pas mis beaucoup de fond de teint aujourd'hui. Et voilà, je trouve que c'est pas plus mal des fois. Là, on attend Doudou et puis on va bientôt partir. Je pense qu'on va aller voir le nouveau Kaufland aujourd'hui. Je suis pas sûre, on va en discuter. Parce que ma belle-mère ne sait pas s'il est plus grand que l'autre ou pas. Voilà, donc bah écoutez, moi je vous laisse. Je vous prends tout à l'heure, je vous fais des gros bisous. Alors, on est arrivé au Lidl et je sais qu'Angélique m'avait demandé de regarder les produits végétariens. Donc voilà, je te montre le prix au Lidl. Donc 2,79 pour des plats, ici 1,99 pour des autres plats, comme ça. Tu sais, l'ami végétarien aussi ici. Ça aussi c'est végétarien je pense. Oui, c'est tout végétarien ici. Voilà, comme ça ben tu auras vu ma petite Angélique. Bon, en tout cas, ce qui est au Lidl quoi. Ouais voilà, ce qui est au Lidl. Parce que le Lidl allemand c'est très différent. Hein. Je vous laisse voir. Là il y avait le maman. Elle est en train de m'essayer un t-shirt là. oui, regarde, ça c'était 2,99 quoi, c'est donné. Hein. Ouais, c'est des hola bon. Quand même. Hein. J'ai ouais. Bien fait, non? Ouais, t'as bien fait. Je vais vous montrer en fait, il y a une petite nouveauté ici. C'est les Pepsi au gingembre. Donc j'ai hâte de goûter parce que j'adore le gingembre. Ça, c'est quelques achats qu'on a fait au Lidl. Mon chéri il m'a pris ça parce qu'il sait que j'adore la pastèque. Donc je vais goûter. Alors Doudou va pour vous présenter un truc. Les maniques de Dark Vador en personne. Ouais, c'est pour four en plus. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est Star Wars. Classe, quoi. C'est clair. Doudou s'est pris pas. Il s'est pris ça. Une tasse Overwatch. Ouais. Oh le Dragon Ball. Il y a même un ustensile pour découper les pizzas. Star Wars. Lol. Oh c'est mignon. Tu veux le Dragon Ball? Ah ouais, ah une boule de cristal. Ouais. Le dragon chez nous. Alors, il faut que j'achète des Kellogg's pour mon neveu. Ce sera de prix exceptionnel parce que ce sera 1,88. Il faut trouver. Voilà. Moi j'aime bien, c'est les lions wild, mais ils les font pas ici. J'aime pas ceux-là. Je les aime pas trop. Mais ici, il n'y a pas grand choix de Kellogg's. Je crois que je vais regarder au Réal. Au Réal, il y en a plus. Alors, les fraises, elles sont à 2,99 pour le bac de 1 kg. Donc, on va prendre ça. Sinon, il y en a là aussi. Hein. Il y a des framboises. Ça, c'était chez Lidl en Allemagne. Ouais. Dans la semaine ici, 99 cents. Ça filme, ça tourne. On a du poivre coloré, enfin si on en croit ce qui est écrit, du poivre coloré et épicé. On va en prendre un. On va en prendre un avec du paprika. Là, on est dans le rayon épice ici. Il n'y en a pas beaucoup, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est très, très facile de faire un choix. Vraiment. Dès qu'on arrive ici, ben on sait. Mais voilà. Ici, il y a la meilleure des épices, regarde. On sait. C'est une épice blonde. Ah, une épice blonde. Grand cru, non, je rigole. Bon, du coup, je vous prends avec moi. Je vais me chercher à boire. J'ai hyper soif, c'est horrible. Bon, je me retrouve devant tous les frigos. Il y a de l'eau. Il y a plein d'énergie drink. Bon, on a pris quelques nouilles de chez Soba, des Nissin, Yakitori. Chicken, ah, j'ai pas vu. C'est que au poulet en fait. Yakitori chicken,
Teriyaki. Ah, ouais, teriyaki, ouais. C'est nouveau ça, non? Non. Je voulais montrer ici, sans gluten en fait, pour ceux qui sont intolérants. Je sais, je connais des gens qui sont intolérants, donc petit clin d'œil. Mais voilà, il y a des plats comme ça ici. Champignons, ouais. Mais il y en a d'autres, je pense, hein, d'autres goûts, tu vois. Ouais, sans gluten. En fait, c'est toutes des préparations ouais, tomates, etc. Sans gluten, donc c'est bien. Ça, du coup, on va prendre de la teriyaki de chez Kikkoman. C'est la même boîte, on va dire, qui font la sauce soja. Mais c'était, c'est à l'ail grillé, celle-là? Oui, c'est ça. Voilà, c'est celle-là. C'est écrit en dessous. Mit gerösteten Knoblauch. Voilà. Et ouais. C'est il faut vraiment essayer, elle est ouais, trop bonne. Il faut vraiment essayer, c'est vraiment trop bon. Avec du poulet, là. Hein. C'est clair. Bon, bah, chez Bullseye, ceux qui font les sauces barbecue, ils font maintenant la sauce burger. Ouais, elle doit être bonne, celle-là. Hein. Ben, fumée. Fumé épicé, ça peut être très bon. Hein. Je pense que ça va être bon. Ouais, je pense aussi. Alors, comme d'habitude, j'ai pris des Hanouta pour ma maman ici, parce qu'elle en a demandé. Des Kellogg's pour mes neveux. Ici, c'est le reste à nous. On a repris les nouilles comme ça au yakitori, parce que mon chéri il a mangé la mienne, donc j'ai coupé les goûter. C'est pas vrai. Ah, si, si. Moi, j'ai pris la pâte paprika. C'est pour faire ma bolo. On a pris des oignons verts aussi. Des oignons verts. Un super. Et puis, promo. J'ai pris mes aromates de Knorr. Voilà. On est surveillé par la Gestapo. Par quoi? Par la Gestapo. Elle a l'air de rien, mais elle fait peur. C'est là qu'elle retourne, elle te plaque par terre. Elle me fait un mawashi. Bon, c'est nouveau, faut filmer. Voilà. Vas-y, je te laisse présenter du coup. Ouais, je vous présente. T'es con. Hein. Je vous présente. Alors, en fait, ici, c'est une. Cocos. Voilà. Thaïlandais, donc c'est ouais, noix de coco, il y a brocoli, du lait de coco, des nouilles. Ici, il y a pareil, asiatique, donc des nouilles, des champignons shiitake, du parka. Et ici, c'est aux lentilles, et ça va beaucoup me plaire, je pense, donc j'en ai pris aussi. Voilà, pas besoin de présenter, t'as vu, tu fais mon boulot. Voilà. Bravo. Putain, il y a encore la Gestapo. Vas-y, fais semblant de rien, vas-y. Si je me casse. Où est-ce qu'il faut appuyer? C'est pas écrit, oui. Alors on va prendre des hamburgers. Ah ouais, c'est des nouveaux styles. En fait, c'est des petits, tu vois. Montre. Comme au McDo, en fait. Ah ouais, bah vas-y, prends, on goûtera. Hein. Ouais, mais c'est bon, à mon avis. Là, je pense parce bien, que ouais. Je me dis qu'à chaque fois, je fais des hamburgers. Bonsoir. À chaque fois que j'ai fait des hamburgers, en fait, la viande est trop petite. Ouais, bah prends ça, hein. Écoute. Le caddie, il en est là. On a acheté nos saucisses, là on est en train de prendre du fromage. Puis je vais aller regarder les surgelés. Je reviens, hein, bébé. Je reviens. Des brochettes. Je trouve qu'il y a quand même du monde, hein. Même si qu'on est lundi, il y a du monde aujourd'hui. Donc pas évident de filmer. Hein. Et voilà, encore des produits sans gluten, des pizzas. Ici, tu vois, c'est sans lactose. D'Italia. Ouais. Sans lactose. Sans gluten, pardon. Il y a marqué lactose. Lactose frais. Ouais, sans. Ouais, ouais, bref. Les gens comprennent. C'est en dessous, sans gluten. Ouais. Mais non, là aussi, c'est gluten. Enfin, soit. Et là, c'est végétarien. Des pizzas végétariennes. Excusez-moi, je lis en même temps que vous, en fait. Voilà, petite nouveauté. Limited Edition. C'est quoi? Limited Edition. C'est écrit là. Ah d'accord. C'est des Quarky Choco Orange. Sincèrement, je sais pas du tout ce que c'est. C'est ici? C'est édition limitée. Déjà un Quarky normal, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave. Sinon, il y a au caramel aussi. Ouais.
Choco orange, ça doit être super bon. J'adore le mélange de toute façon. Je vais prendre un pour goûter. Chocolat orange, j'adore ce mélange de toute façon. Ouais, tu m'étonnes. À la base, donc. Je prends un chocolat avec. Voilà. Spécial pour toi, Angélique. Vegan. Tout vegan. Alors, on a quoi? Des ravioli. On a des ravioli vegan. C'est pas mal les ravioli. Ouais, c'est très bon les ravioli. On a quoi? On a du saucisson. On a un mix de grill. On a des boulettes ici. Des boulettes. Des burgers. Voilà. Des nuggets. Des nuggets. Ici aussi, hein, regarde. Des schnitzels. Des schnitzels encore. Il y a ça. Avec du fromage. Ça donne envie, franchement. Ouais. Ici, il y a des saucisses. Filme les prix aussi, parce que ça intéresse Angélique. Ouais. Alors, là. On va commencer de là. Hein. Voilà. Ça, c'est quoi? Alors, si je comprends bien, c'est des plantes à tartiner. D'accord. Voilà. Il y a ça tu aussi, as des herbes, des plantes, voilà. Ah, c'est du pâté végétarien, en fait. Pâté, ouais, c'est ça. Oh, le thé vour, c'est très bon, en plus. Ouais. Ouais, j'aime bien. Bah, c'est un goût très fumé. Et on dirait pas que c'est végétarien, on dirait vraiment. Non, on dirait trop pas que c'est végétarien, vegan, en fait. Quoi. Mais c'est vraiment végétarien. Ouais, c'est vraiment végétarien. C'est végétarien, on dirait pas. Je suis halluciné, quoi. C'est clair. On dirait une grande salamie, quoi. Et ça. Ah, c'est du tofu, ça, non? Ouais, un truc, le filet tofu, ouais. Non mais attends, je suis deux secondes là. Je dois m'arrêter deux minutes là parce que... Comment ça peut... Mais qu'est-ce que c'est? Bah c'est végétarien. Je sais pas comment. Ike là. Ah, c'est des œufs. Et regarde, t'as même ici des lasagnes végétariennes. Ouais, au tofu. Et regarde, regarde les prix ici, s'il te plaît. 1,99€. Bon, ça, par ouais, contre, c'est pas végétarien, je pense. Ah, si. Si, c'est ça, du currywurst végétarien. Currywurst végétarien. Angélique, si tu veux goûter. Hein. Ouais, sérieux. Mais je suis halluciné, quoi. Ah, ouais, moi aussi. Franchement, tout ce qu'ils ont. C'est en fait, c'est des œufs, bébé. C'est de, c'est de l'œuf. Ah, ouais. Enfin, si j'ai bien compris après. Hein. Regarde, c'est des bratwurst végétariens, quoi. Des bratwurst. C'est un truc de fou, quoi. C'est de la magie, on est dans Harry Potter en fait, c'est ça. On est dans les cuisines de Poudlard. Regarde ça, s'il te plaît. Ah, du gyros. Regarde. Oh, what, c'est quoi? Ouais, c'est censé être du lardon, en fait. Excellent. Faire des carbonara, je crois. Ah, vegan. Excellent. Oh, faudrait que je teste une fois des carbonara avec ça, franchement. Tu crois? Ouais. Mais c'est quoi exactement? Je sais pas, attends. On va voir, hein, on va et lire. Regarde la chie, s'il te plaît. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger végétarien, bah, vu qu'on n'est pas végétarien après, mais... Ouais, du donner. C'est toujours... c'est hallucinant, en regarde, fait. Du donner végétarien. Mais ça ressemble trop, quoi. Mais c'est trop de la viande, en fait. C'est quoi le délire? T'es sûr? Mais... oui. Certifié vegan, quoi. What? Monte derrière. Ah, c'est eux, les magiciens. C'est les maîtres. Alors... J'essaie de trouver le... Hop. Ouais, non, je vois pas trop... Mais pourtant, c'est... Attends, j'étais là-dessus. De l'eau, ouais. Des œufs. Soja. Farine, faudrait qu'on... Mais celui-là, personnellement, il me donne pas envie, moi, mais il me donne pas envie, mais je suis sûr que ça peut être bon. Je sais après, pas. Je peux me tromper, je sais pas, mais il faudrait goûter. En bah, franchement, on va goûter, au moins on le dira en vidéo. Ouais, je ferai une fois les carbonara avec, avec les lardons. Voilà. Je remonte vite fait pour les prix. On va commencer dans... Voilà, on voit les viandes, oui. Les préparations. Regarde, ça aussi, c'est nouveau. C'est quoi? Ah, un choco drink. Il y a du yaourt végétarien aussi. Voilà. Un propre bœuf. Voilà. Encore végétarien. En fait, c'est tout le rayon. Hein. Soja drink. Regarde ouais. Ici.
Non, pas tout, hein. Si. Ah oui, ça aussi. Pour le prix, voilà. 95 centimes. Enfin, 95 centimes. Ici, regarde. Sans lactose. Sans lactose. Alors, on filme beaucoup de choses pour les végétariens. Et sans lactose, sans gluten. Parce qu'on nous l'a demandé, en fait. Voilà. Et voilà. Je trouve que c'est intéressant. Et voilà. Le prix, il est ici. 49 centimes. Et voilà. On a des biscuits aussi. Vegan, toujours. Ah bon, bah j'arrive. 1,79€. Biscuit citron. Et marble de biscuit. Je sais plus comment on dit en français. Et des biscuits beurre, des petits beurres. Ah, vegan. Ça, je sais pas si c'est vegan. Ça, je crois pas que c'est vegan en fait. Non, ça n'a pas l'air. Sans gluten, sans lactose, vegan. Sans gluten, ah ouais. Ouf. Ouais, ok, d'accord. On dit cookies, sans lactose. Des biscuits, tout ça, avec moins de sucre aussi. Des snacks de, je dirais genre des muesli. Du chocolat, nougat. Tiens, ça d'ailleurs, ça me fait penser au, comment ça s'appelle, Milka Lila Pause. J'ai mangé ça quand j'étais gamin. Tiens, ça aussi c'est sans gluten. C'est quoi ça? Pearls. Qualité et tradition depuis 1939. Merci monsieur Roland. Belvita, ça vous connaissez. Ah, ici, encore, c'est tous des gâteaux. Sans gluten. Sans sel ajouté en plus. Voilà. Ouais, franchement, il y a pas mal de. Pas mal de choix. Encore ici en dessous, plein de gâteaux, des biscuits, des bonbons, des cracras. Attends, parce que j'ai vu un truc. De chez Brands là. C'est quoi? Des Hobbits. Sympa à manger. Kernick. Donc c'est avec des grains directement encore dedans. Et c'est voilà. Vegan, c'est écrit ici. Voilà, des chips vegan. Des chips vegan. Ici c'est au doux paprika. Légumes, paprika. Aux herbes. Sweet chili, non, c'est piment doux. Oui, mais c'est un poivron, un piment, un ouais. Paprika quoi. Et ici c'est aux épices. Ouais, ah, ici on a des trucs. Faut montrer les prix avec. C'est vrai. Ça donne envie, hein. Franchement, ça donne envie. Du chou kale, ça, non? Ouais, on dirait du chou, ouais. Ouais. J'avoue qu'il donne envie. Ouais. Mais c'est 3 euros, quoi, celui-là. Il donne 1,95€, quand même. Ouais. Enfin. Ouais. Tout ça, c'est végétarien, quoi. Et re tout le monde. Bon, voilà, on a fini. Là, je vais leur mettre le caddie et puis on va aller au Réal. J'ai pas tout acheté au carton parce qu'il y a des trucs qui sont en promo... en promo au Réal et pas ici. Donc voilà, là je vais remettre le caddie. Hop. On a fait plutôt des bonnes affaires, donc je suis assez contente. Mais il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, ça m'étonne pour un lundi. D'habitude le lundi il n'y a personne. Et là il y avait beaucoup de Belges. Faut croire que c'est férié. Non, c'est même pas férié en Belgique. Donc voilà. Du coup ouais, ce soir on va manger autre chose que des Chinois parce que j'en ai un petit peu marre du Chinois. Du canard et tout, donc on va manger, je sais pas, peut-être une pizza, on va voir. Alors on est au Réal, il y a des promos sur les Tic Tac. Je vais prendre des chemin-légumes, c'est quand même en promo. J'allais le dire, pizza. Ça me donne pas envie, moi. Et n'empêche, c'est bien fait. Hein. Il faut que je prenne des bonbons comme ça à la menthe. Alors, il y a même des bonbons vegan ici. 1,89€. Bon, alors, les amis, je suis outré, choqué. Ah, il rigole, mais il est outré, je suis, ouais. Je rigole, mais c'est parce que je suis extrêmement énervé en fait. Je me contiens. Parce qu'en fait, j'ai voulu prendre un fromage. Là-bas, voilà, là-bas. Où il y a les deux dames. Là-bas, où il y a les deux dames. En fait, non.
J'ai voulu prendre le fromage plutôt là-bas, en fait. Enfin, c'est ce fromage-là. Vous n'allez pas bien le voir. En fait, c'est de la mozzarella, toute fraîche. Et comment dire ? Et je me suis servi, enfin je me suis pris la mozzarella sur un présentoir qui était donc à... Ouais, donc je disais que... Franchement, je me dis, mais j'avais envie... Comme une de furie. C'est quoi ? Elle est venue comme une furie, en fait. Mais c'est vraiment ça, quoi. Vraiment, mais genre, ouais, il faut pas ouvrir la vitrine, vous pouvez pas vous servir dans le fromage. Putain, mais meuf, c'est bon, quoi. J'ai une éducation, quoi. Enfin, explique-leur, j'arrive. Enfin, franchement, je suis choqué, quoi. Mais j'ai rien d'autre à expliquer, en fait, hein. C'est juste que ça m'a choqué sur le moment. Je me suis dit, mais what? Sérieux? C'est bon, quoi. Pas besoin d'agresser les gens directement. On vient faire nos courses et tout, quoi. Et enfin, voilà, quoi. Mon avis, elle était juste pressée de rentrer chez elle, la pouf. Enfin, je suis désolé, je suis un petit peu méchant, mais quand t'agresses les clients comme ça, honnêtement, franchement, c'est pas très professionnel, quoi. Elle aurait pu juste venir dire, monsieur, est-ce que vous vous êtes servi dans le truc? Bah, j'aurais dit, mais non, je l'ai pris sur le présentoir. Mais elle m'a directement... En fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle m'a directement accusé, en fait. Elle m'a directement accusé sans savoir, ouais, vous pouvez pas aller dans la vitrine à fromage et tout. Putain, j'ai jamais fait ça de ma vie, je vais jamais le faire, quoi. Enfin, c'est exagéré. Sérieux, en fait, c'est ce genre de conneries, ça arrive toujours au Réal, quoi. C'est toujours au Réal que ça nous arrive, surtout en fait, dans ce coin, dans ce coin-ci. Dans le fond du magasin, à gauche, c'est tout, là où il y a toute la viande, le fromage et tout. En général, c'est là, on se fait tout le temps agresser, et je sais pas pourquoi. Ils ont un problème, ils sont racistes contre les Belges ou quoi, j'en sais rien. Pourtant, quand on voit le nombre de Belges qui viennent faire leurs courses ici au Réal, à chaque fois qu'on vient, c'est hallucinant. Quoi. Vraiment, plus de la moitié des plaques des voitures sont belges, donc j'ai envie de dire, leur chiffre d'affaires, ils peuvent dire merci aux Belges aussi, en grande partie. Mais bon, soit, franchement... L'air de rien, le Kaufland, ils sont beaucoup, beaucoup plus sympathiques, quoi. Vraiment, c'est un monde à part, quoi. Le Real, c'est... Honnêtement, le Real, c'est des bourrins, en fait, hein. Vraiment, quoi. C'est... Enfin, voilà, quoi. On est rarement bien accueillis, quoi. Dans le Kaufland, il y a juste un souci, c'est à la caisse. Il y a toujours une caissière qui tire la tronche et qui fait... Enfin, ben, bref, soit. Et ma mère, du coup, elle était tellement vénère qu'en fait, elle a pris quelques courses. Et elle les a jetés sur les frigos de surgeler. Et faire genre, c'est bon, j'achète pas vos merdes, je vais me casser d'ici, je vais rien acheter, quoi. Du coup, hein, ça se fait pas tellement, mais je la comprends, hein, parce qu'elle était vénère, quoi. C'est un peu elle qui m'a éduqué et c'est vraiment pas le genre de truc que j'aurais fait, quoi. Enfin, soit je vais rendre le téléphone à ma chérie, comme ça j'ai pu m'exprimer un petit peu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Merde, je filme dans le mauvais sens. Okay, je reviens. Voilà, donc on a encore du végétarien. Oui, du végétarien. Voilà. De la... Oh là. La salade de viande, en fait. Végétarienne. Normalement, c'est fait avec du jambon, tout ça. À mon avis, c'est fait avec... du tofu, pour pas changer, peut-être. Du cornichon aussi. Pardon, désolé, je bouge beaucoup. J'ai vraiment pas l'habitude de filmer. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. Des œufs. Ah non, du blanc d'œuf. De l'eau, enfin voilà, quoi. Sympa, franchement, super. Ils ont pas, par contre, ici au Réal, ils ont, enfin, selon moi, vraiment pas beaucoup de choix au niveau des trucs végétariens, la nourriture végétarienne, tout ça. C'est surtout chez Kaufland, en fait. Donc, ceux qui sont végétariens, bah, allez voir chez Kaufland plutôt qu'au Réal. Cette mozzarella là. C'est elle celle-là. Mais pourquoi elle a 2,99 Pourquoi elle a 2,99? Ouais, pourquoi elle a 2,99 là? Mais franchement, 2,99, c'est pas cher, si? Pour presque 500 moins cher grammes. Là-bas, hein. Oui, c'était 1,29€. Ça donc me paraissait si un peu. Cher, 2,99 ici. Et c'était écrit 1,29 pièce. T'as regardé la machine? Non, j'ai pas regardé. Je vais aller voir. Si c'est vraiment ce prix-là. On a regardé après à la caisse aussi. Hein. Non, je vais aller regarder maintenant sur le truc. Alors, je vous jure, il était écrit mozzarella di bufala, hein, à 1,29€. On va aller voir, on va aller vérifier. Là, c'était écrit 2,99€. Je vous tiens un peu comme ça, je suis désolé. Euh...
et je trouve pas. Je suis désolé, ça bouge un peu beaucoup. Je fais un peu sans bien avant. Ok. Bon, je vous emmène avec moi. Ah, voilà. C'est plus loin, maman. Plus loin. Regarde. Non, bouge. Ah. Voilà. 2,99. Allez, le mien, qui était censé être 1,29. Non, il n'a pas envie. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est quoi cette connerie? Essaye un peu, maman. Ah, 2,99. Alors que c'était écrit 1,29. 1,29 le pièce. Pièce. C'était écrit 1,29 pièce. Ah, ça me semble pas cher quand même. Hein. 2,99 pour presque 5. Tu le verras, tu vas voir pour 1,9. 1,29. Oh là là. Ma remet vénère. C'est bon, on va avoir de la mozzarella à 1,29€. Sinon, ça te campe. Moi, je vais me casser vite d'ici, je crois. 12 avril. Hmm? 12 avril, on est le quantième. Jusqu'au 12 avril. On est le 10, je crois. On est le 23. On est mois d'avril maintenant. Ouais. C'est le 24. On est le 24 avril. Janvier, ah, oui. Février, mars, avril. Non, non, on n'est pas le 24. Ah, si, on est le 24. T'es sûr qu'on est le 24? Bon, on coupe 2 minutes. Je vais aller vérifier. Non, mon doudou, il est énervé. C'est ma belle-maman aussi. Pour être sûr. Bon, moi je regarde les produits, ils sont vraiment très énervés. Hein. Les beaux de ma belle-maman. Après, je les comprends, c'est normal. Hein. Si je savais parler allemand, franchement, je les aurais mis en place. Mais malheureusement, je ne sais pas. Non, franchement, le réel, c'est vraiment... pour le moment, en Allemagne, on a pas mal d'accrochages avec les gens qui travaillent, en fait. Que ce soit Kaufland, ma belle-mère s'est déjà énervée tout à l'heure. Et réel, c'est pareil. Il y a vachement des prises de tête en fait. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je me trompe à chaque fois, je fais une photo quoi. Ça bon, alors voilà. Et re, du coup, alors coup de maître, je vais me gaver, mais d'une force. Elle a voulu nous taper la honte devant tout le monde, à dire que j'étais quelqu'un de. Enfin, à nous faire passer, enfin, me faire passer pour quelqu'un de mal éduqué. Il n'y a pas de souci. Hein, sa mozzarella à 1,29€ là qu'elle ne voulait pas. Hein, voilà. Alors on a scanné. Vous allez le voir de toute façon dans la vidéo normalement. Elle est passée à 2,99€ au scanner. Sauf que chez eux, à la vitrine, il est écrit 1,29€ pièce. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Attendez, je sais pas si vous allez voir en fait. C'est un peu flou. Enfin, vous voyez, 1,29€ pièce. Eh ben, j'ai dévalisé le frigo. Parce qu'il y a aussi un frigo de fromage là-bas. Hein. Vraiment là-bas derrière, il y a un frigo de fromage. Et il restait plein de mozzarella. J'ai tout pris. J'ai tout pris et je vais tout leur prendre à 1,29€, vous allez voir. Grâce à ma mère, vous allez voir comme elle est vénère. Et ici, il y a encore des produits végétariens. Tout ça. Ma belle-mère est en train de râler là-bas. Elle demande après le responsable. Alors vous savez quoi, on a parlé avec le gérant parce qu'en fait la madame elle a fait un cinéma. Elle a essayé de faire passer ma belle-mère pour Une voleuse, hein, une menteuse, enfin quelqu'un. Non, en fait elle a essayé de faire passer ma mère pour quelqu'un de méchant qui arrivait directement, qui était agressive et voilà. Tout. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse quoi. En fait, halluciné. Au final, le gérant c'est un amour. Oh, ma belle-mère, elle lui a coulé le bec. Hein. Elle lui a dit. En fait, j'ai compris 2-3 mots. Hein. Bon. Moi, je suis au milieu de l'histoire. J'étais tellement dans le stress que j'ai cru que j'allais la taper. Quoi. Vraiment, ah ouais. En plus, moi, j'ai chauffé le truc parce que j'ai dit bébé, elle ouvre sa gueule.
Mais en fait, on les a eu gratuits. Du coup, et donc je disais, du coup, on les a eu gratuits parce que le gérant, il a été super gentil. Il a dit qu'il allait discuter avec son employé parce qu'elle fait un petit peu trop de crise. C'est pas la première fois. On n'est pas les premiers avec qui ça arrive. Nous, c'est la troisième fois qu'elle nous fait un truc comme ça. La dernière fois, on avait acheté du fromage. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'ici, ça ferme à 10h les magasins, donc à 22h. Et il était 8h, même pas 8h. Hein. Et on avait demandé du fromage et ça lui a pas plu parce que madame remballe avant 10h du soir. Elle remballe vers 8h du soir et elle nous avait jeté le fromage. Elle était pas contente en fait qu'on lui demandait. Pour elle, on demandait trop. Et là, en fait, ma belle-mère a parlé avec les gens qui travaillent dans ce magasin et le gérant, qui sont super sympathiques d'ailleurs. Et l'autre connasse, en fait, elle était pas contente parce qu'il y avait deux mozzarella en fait à la vitrine. Hein? Ouais. Non, il y avait trois endroits, il y avait la mozzarella. Voilà. Il y en avait une qui était derrière la vitrine, derrière là où ils travaillent, les fromagers. Il y avait une mozzarella qui était dans le présentoir ouvert, donc là où les gens peuvent se servir. Et il y avait 4 ou 5 mozzarella qui étaient dans le frigo, en fait. Voilà. Vraiment, à part là où il y a les yaourts et tout ça. Voilà, c'est les trois endroits où il y avait les mozzarella. Du coup, moi, je me suis dit, je vais prendre tout ce qu'il y a dans le frigo et tout. Et je vais dire, j'ai fait une photo de la mozzarella qui est 1,29€. Et le montrer tout simplement à la formation. En fait, c'est la loi. Quand il y a un prix, ouais, ils sont obligés de vendre à ce prix-là. Sauf que elle voulait absolument pas qu'on ait les fromages. Du coup, le truc qu'il y a eu, c'est que finalement, les deux mozzarella qu'on avait déjà, le gérant, il est venu, il a dit c'est bon, vous pouvez les prendre, ils sont gratuits. Donc il nous les a fait gratuits. En fait, on ne voulait même pas gratuit, voilà, nous. Hein. On ne voulait pas gratuit, on voulait juste 1,29€. Quoi. C'est bon, le prix indiqué, quoi. C'est normal. Le client, enfin, je veux dire, tu dois, c'est connu, c'est dans n'importe quel magasin, c'est la loi. Partout, c'est la loi. Tu vends au prix que c'est indiqué, point basta. Mais t'as vu le cinéma qu'elle faisait, voilà, elle se foutait de la. Attends, en fait, elle se foutait de ta mère, quoi. Je travaille moi-même dans un magasin. Ah, quand oui, un prix est affiché, oui, tu assumes. C'est ton erreur, c'est l'erreur de peu importe qui, tu assumes. Point barre, c'est tout. Eh ben, elle était tellement pas contente qu'on a rouspété qu'elle a commencé à pester. Attends, elle s'est foutue de vos gueules quand ouais, même. Hein. Elle s'est foutue de notre gueule et tout. Elle était en train de nous narguer derrière le truc et tout. Et moi je m'énervais, mais moi je pouvais rien dire. J'avais juste envie de la taper, quoi, vraiment. Pour une fois, je... c'est une vieille, hein, mais oh putain, comment j'avais. Franchement, je vais être honnête, ça me fait mal le cœur de les avoir eu gratuits dans le sens où le gérant. Elle est tellement mauvaise qu'il a dû les donner gratuits. Mm. Mais de l'autre côté, ça m'aurait pas dérangé de payer le prix, tu vois. Mais non, 1,29€, c'est quoi de la mozzarella? C'est pas cher du mais tout. Le... Non, mais quand on a besoin de payer, j'étais d'accord avec le prix qu'il était annoncé dessus, sur le ticket. Je dis je vais payer. Mais le pire. Et c'est tout. Mais vous vous rendez compte de l'ampleur. Comme il a donné maintenant gratuit. L'ampleur du truc pour la mozzarella quand même. Hein. Voilà. Mais franchement, en fait, c'est le fait que... En plus, elle le dit, c'est une erreur de notre part. Bah, si c'est une erreur de ta part, t'assumes quoi. Tu le fais 1,20€. Comment elle a dit en fait? Elle a dit, c'est une erreur de votre part. De notre part. Elle parlait comme ça en plus, c'est ouais, vrai. C'est une vieille quoi. Hein, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est une erreur de notre part. Ben oui, c'est une erreur. Non, de leur sûr. Part. Ah, ouais. Bah, tant pis. C'est une erreur que vous avez payé pour. Voilà. Mais je suis halluciné, outré. En fait, le fait qu'on m'ait limite accusé d'aller me servir derrière le comptoir en fait. De fromage et tout, mais je suis outré quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas été élevé comme ça. Surtout, explique comment c'est fermé quoi. Ouais, bah c'est fermé à clé quoi. Comme à la boucherie en fait, vous voyez les vitres. Ouais. Et le gérant, j'aime bien parce qu'à un moment il vient à côté de moi et je lui explique qu'elle m'a accusé d'aller dans derrière la vitrine et tout. Il dit, oui, c'est un truc qu'il faut pas faire. J'ai dit, ben non, c'est un truc que je ne fais pas. J'ai pas été éduqué comme ça. Il dit, bah oui, je me doute qu'il dit, bah oui, j'ai pas été éduqué comme ça, quoi, je suis désolé. Enfin, c'est incroyable quoi, vraiment. C'est ça le problème. Bienvenue dans Tellement Vrai. Voilà, en fait, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai le corps. Le gérant, il disait... Oui, la patronne. Le gérant, il disait... Ça, c'est une madame qui était d'accord avec nous, en fait. Je laisse discuter, on va voir qu'est-ce qu'elle dit après. Mais enfin bref, franchement, c'était, elle avait une façon de s'adresser aux gens. Et c'est pas la première fois, on est souvent tombé sur elle parce qu'elle travaille au rayon frais. Et une fois, on avait acheté du fromage, elle était tellement pas contente, je veux dire, il y a des façons de le dire quoi. Mais elle, voilà. Du coup, moi, c'est la première fois que j'ai pas pu participer parce que je comprenais pas, je pouvais pas parler, je pouvais rien faire, je pouvais rien dire, donc voilà. Enfin bref, je reprends tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Bon, c'est l'heure de manger. Donc moi, je mange une pizza et puis Doudou aussi, hein, tout simplement. Bon appétit. Bon appétit.